Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la prestation de mes joueurs à Munzingen? Ben, je vous cache pas que j'étais fier d'eux parce qu'on est arrivé dans un terrain, c'était un bourbier, l'atmosphère, c'était une atmosphère de deuxième ligue. Les joueurs se sont mis au niveau. On a réussi à produire du jeu, surtout pendant 75 minutes. Après, ce qui nous a manqué, c'est ce but. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire clairement qu'on a perdu 2 points. On a 6 à 8 situations de but. Et quand on est à l'extérieur, qu'on a 8 situations de but, ben, il faut gagner. Et on a manqué de tranchant, on a manqué de niaque devant ce but. Et pour ce match-là, c'est comme ça. Mais voilà, il va falloir regarder ça ce soir à la vidéo, tous ensemble dans le vestiaire, et puis tirer des choses positives, parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives, je peux vous le dire. Maintenant, voilà, on a perdu 2 points, et on doit se remettre au travail pour que ça soit positif le week-end prochain. Oui, l'écart, comme vous dites, est de 13 points, mais nous, on savait qu'avant la trêve, il était de 11 points avec les points de pénalité qu'on a eus. Aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, c'est 13 finales. Aujourd'hui, on veut terminer premier du deuxième tour, des 13 matchs plutôt. Et aujourd'hui, on a 2 points de retard sur Stade Lausanne, on a 2 points de retard sur Juventus, on a 2 points de retard sur Bellinzone. Bellinzone qu'on va recevoir samedi. Le vestiaire, ben, se porte bien parce que, comme je vous dis, on a eu un état d'esprit très bon, une très bonne qualité de jeu sur ce match-là. Je peux rien reprocher à mes joueurs, sauf la finalité et d'avoir manqué de mordant sur la finition en zone 3. Voilà, alors le vestiaire vit bien, les joueurs vivent bien ensemble. Maintenant, il va falloir répondre présent samedi. Et je vous rappelle, c'est le deuxième qui joue contre le troisième. Et c'est un match très important et c'est le match le plus important de la saison. Oui, comme je vous ai dit, on reçoit Billinzone. Nous sommes deuxième, on joue les troisièmes. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à ce match? Bah, c'est des Tessinois, c'est proche de l'Italie, on connaît, c'est un petit peu tricker, un petit peu tricheur. Ça parle beaucoup, ça essaye de nous sortir du match. On doit être très bon dans la gestion des émotions, on doit rien dire, on doit être efficace. Ce qui nous a manqué un petit peu dans le dernier match. Et puis, c'est une équipe qui va venir en 5-3-2, qui joue la contre-attaque. On les a joués une fois en championnat. On les a joués une fois en amical. On sait à quoi s'attendre. On sait que c'est une équipe qui va être crocheuse, qui va défendre leur chance et qui va venir ici pour gagner. À nous, de faire ce qu'il faut pour prendre les 3 points et surtout, de garder le même état d'esprit et d'être plus tranchant dans cette dernière zone et dans le dernier geste. Et je compte sur vous, comme d'habitude, d'être nombreux dans ce stade. On attend du public, on attend du nombre, même si aujourd'hui c'est clair qu'on est à 13 points, mais on a besoin de vous pour garnir ce stade. C'est important pour le club, c'est important pour les joueurs et ça fait toujours plaisir de voir le municipal garni. Alors je compte sur vous. Merci, à bientôt, à samedi surtout.